Poiré sur Ville Vendée. Avec, attention, ce bon ballon là du Poiré sur Ville sur le numéro 13. Il rentre dans la surface de réparation et le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score du Poiré sur Ville sur cette balle en profondeur. Attention à ce 1-2, on est au 20 mètres. La frappe et le ballon capté en deux temps par Guillaume Gauquelin sur cette frappe de Joris Collinet. Allez, c'est qui? Attention là, c'est récupéré avec Collinet. Attention, on est à la surface. La frappe, deuxième, et le but. Et le but, le but du Poiré sur Ville. Mais qui n'est pas épargné par les blessures depuis un an. Attention à cette passe en profondeur, peut-être pour le 3-0. Et l'arrêt de Gauquelin, c'est pas terminé. Guillaume Gauquelin qui sauve la baraque face à Dinguini. On n'est pas beaucoup à croire à cette réaction en deuxième mi-temps. On va croiser les doigts. En tout cas, les UB poussent encore les petits bleus. Et ils ont raison. Attention peut-être à cette frappe. Et le but ! Le but du Racing ! Le but du Racing ! Le but de Dimitri Liénard ! Dimitri Liénard qui vient de décocher une frappe des 25 mètres. Petit filet droit. La mi-temps sifflée par monsieur Emmanuel Caron. Le Racing qui vient de réduire la marque juste avant la mi-temps par Dimitri Liénard. Mini corner côté droit. Ça bouge beaucoup dans la surface, ça va être premier poteau, je pense. Oh, ça passe à côté, c'est contré. Gauthier Pinault qui cherche une solution. Ça revient sur Dimitri Liénard à l'entrée de la surface de réparation. Liénard qui rentre dans la surface, la frappe de Liénard. Il est vrai que Bellamer n'est pas dans un grand soir ce soir. Attention à ce ballon en profondeur, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là pour l'attaquant du Poiré. Le centre et le but. Le but du côté du Poiré. Le troisième but. Sur ce centre, Liénard qui s'élance. Liénard s'est bien frappé et ça va droit dans les gants de Mathieu Pichot. Et on est sur un rythme tout bonnement et simplement de relégable. 14 points en 15 journées, c'est moins d'un point par match. Et nouveau ballon dans la surface, Pinault, la frappe de Pinault et l'arrêt. Encore un bel arrêt de Mathieu Pichot. Et c'est terminé, ici Monsieur Caron qui siffle la fin de ce match. Et le Racing qui s'incline pour la 7e fois de la saison. 3 buts à 1 face au Poiré sur Ville. Ce soir, il n'y avait rien, quoi. Clairement, il n'y avait rien. Dans l'attitude, on n'a pas été là du tout. Techniquement, on n'a pas été là. On n'a pas fait deux enchaînements. On n'a pas fait trois passes. Il n'y avait vraiment rien, quoi. Alors, après, il faut arrêter de se cacher et il faut se remettre en cause parce que faut arrêter de penser à la montée, il faut arrêter de penser à tout ça. Et je pense qu'il faut se mettre dans la philosophie que ça va être compliqué toute la saison. Et il va falloir se battre jusqu'au bout parce que toutes les équipes sont dangereuses pour nous. Je suis déçu parce que malgré tout, je m'attendais à mieux, quoi. On a été capable de le faire contre Orléans. On n'a pas été capable de le faire face à une équipe qui était derrière nous. Mais il faut absolument que ce match permette à tout le monde. Je me mets dedans, mais aussi les joueurs qui sont venus d'horizons différents, de ne pas croire que parce qu'on porte le maillot du Racing Club de Strasbourg, on ne jouera pas le maintien cette année en national, on va jouer le maintien. Et tous les joueurs et moi-même, on est novices à ce niveau-là. Voilà. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué à ce niveau-là, et aujourd'hui, c'est largement peut-être pas les moins bons, au contraire. Et ceux qui ont joué au-dessus ou à ce niveau-là étaient au chômage quand ils sont venus chez nous, donc, et moi aussi. Donc voilà, on s'est construit depuis 2 ans, c'est bien, on est arrivé en national, mais maintenant c'est fini. Il faut absolument qu'on sorte le bleu de chauffe et qu'on fasse des matchs comme contre Orléans pour que la chance bascule du bon côté, et parce qu'on mérite qu'elle bascule du bon côté à ce moment-là. Mais ce soir, c'était pas le cas, donc un bonnet d'âne pour tous les joueurs, pour moi, et un grand pardon au public. Et on a une semaine pour essayer de se faire pardonner à Dunkerque, mais on va tout faire pour ça.